Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis pour un petit gameplay au sniper sur Call of Duty Modern Warfare. J'ai déjà fait une partie avant qui était très compliquée et c'est vrai qu'au niveau du snipe ça se paraissait très lourd et très lent pour viser. Genre en vrai, le couscope il n'y avait pas de couscope, c'était super méga lent. J'essaie de voir un petit peu sur la création des classes. Donc le seul sniper qu'on a disponible actuellement c'est le AX50. Donc j'ai mis des accessoires qui à chaque fois dans les pros c'était essayer de favoriser un maximum la rapidité de viser. Alors là j'ai pas mis de viseur ici parce que à chaque fois ça, on a l'impression que ça diminue un petit peu la vitesse de visée. Celui-ci dans les pros c'est Aim Downside Speed, donc ça accélère, donc à chaque fois j'essaye de prendre des accessoires qui font ça. Et on peut voir que dans le jeu il y a énormément de possibilités de configuration possible sur l'arme. C'est pareil, le viseur amélioré te diminue le temps de visée, donc je l'ai enlevé pour essayer d'augmenter un maximum parce que vraiment les couscopes c'était très galère. Et quand t'as l'impression qu'avec une... Bah, y a des gens qui utilisent la MP7, etc., les SMG, les AR en face, ils sont beaucoup plus rapides pour viser. Donc j'étais vraiment gros décalage et désavantage. Et les kills que j'ai fait, c'est quand j'ai ramassé une SMG ou une AR par terre. Vraiment, j'ai dû faire 2-3 kills au snipe, c'était assez malaisant. Donc là, j'ai essayé de faire une classe avec un maximum d'accessoires qui te permettent de viser plus vite. On va voir ce que ça donne. J'ai pris également le petit Desert Eagle équipé avec une lunette de visée. Et c'est parti! Nous sommes sur Act Yard, opération Act Yard, battle, cyberattaque, je sais pas trop, bref on s'en fout. Allez, let's go! Et on voit le petit début de partie qui est vraiment badass. Franchement c'est cool quand t'arrives comme ça, c'est pas simplement tu vois ton personnage, tu dis d'où il vient ou quoi. Là t'as vraiment une opération spéciale qui va s'activer, où t'arrives sur la map, bam bam, allez let's go. Allez, comment ça marche un peu là? Ah oui voilà, là on peut viser un peu plus vite. Ouh, parce que tout à l'heure mec c'était l'horreur. Alors après je sais pas dans les atouts s'il y en a qui permet de viser plus vite aussi. J'ai pas vraiment fait attention trop aux atouts pour le moment. Là qu'est-ce qu'il y a? Ennemi as the bomb. Non me dis pas. Non c'est un recherche à destruction. Oh là là, c'est pas du tout mon truc. Recherche destruction au sniper quand tu connais pas le jeu, je pensais pas bon délire. Ils auraient dû garder des matchs à mort, un truc plus simple parce que là on va pas vraiment jouer. C'est notre deuxième partie sur le mode de jeu. Enfin sur le jeu donc. Je pense pas que ce soit l'idéal, on aurait préféré un petit match à mort, une domination, un truc du genre, parce que là je pense que ça peut être un peu compliqué. Recherche sa destruction quand tu connais pas la map. Voilà. C'est pas si ouf. Mais bon, on va voir. Alors attends, je vais prendre le Desert Eagle au cas où il y a un mec qui arrive devant moi rapide. Oh là là. Ok. What? Je l'ai pas eu. La bombe a été mise. Oh là là, ça va être compliqué hein. Vas-y, on va prendre la K47, full auto. Genre, on peut le réanimer? Oh mince, je suis arrivé trop tard. Oh mince. Bon, j'ai l'impression qu'on a une team de merde, mon pote. Ça va pas aider, hein. Mais bon, j'ai fait 2 kills au moins. J'ai fait 2 kills, alors on peut réanimer les joueurs. Donc c'est pas de la recherche et destruction classique. Ça va être des recherches et rescue. Peut-être, je suis pas très familier avec ce mode de jeu. Et comme je dis, commencer le jeu et découvrir le jeu avec un mode de jeu comme ça, je trouve pas que ce soit si ouf parce que justement ce que tu veux c'est découvrir la map, expérimenter, voilà, te balader. Et là, ça confine un peu le gameplay. Bon, c'est pas grave, on va s'appeler comme ça. Oh man! Oh là 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 là! On s'est pris une triple feed quoi, t'es sérieux? On s'est fait dégommer! Non! Bah vas-y hein. Et moi aussi je suis une triple au snipe, c'est bon ou pas? Allez, ouvrez la porte. Voilà! Le petit kill! Et le retour du plus 500! Ça c'est exceptionnel! Ça c'est exceptionnel le retour du plus 500. Ah la bombe est là. Oh mec c'est pas possible quoi. Je pense que je vais retirer le snipe. On va prendre une classe par défaut et on va pas se la prendre au snipe parce que là je pense que c'est quand même mal parti. Ouais je pense que ça va être mal parti comme ça au snipe. Alors la bombe est là. Ok, j'en ai eu un. Wouhou! Oh là là, le deuxième. Take down. On va attendre de reprendre un peu de vie.
4 contre 1. Enfin, qu'ils prennent avant. Oh, mec! Ah, ça va. Ouh, on a gagné une manche, mec. Bon, là, tu vois bien que le snipe, c'est pas la peine. Ça sert à rien de forcer. On fera ça sur un match à mort ou quoi, mais là, ça sert à rien de forcer. Putain, les mecs, t'as l'impression qu'ils connaissent déjà la map, quoi. Laisse tomber. Par contre, le gameplay, le jeu, les sensations sont quand même plutôt bonnes, quoi. C'est pas un Call of Duty facile. Vraiment loin de là, c'est pas un Call of Duty facile. Tu sens que c'est un jeu où il va falloir s'entraîner et pratiquer un maximum. Il y a peut-être un mec. Aïe 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 aïe. J'ai peur qu'il y ait un mec arrivé là, comme tout à l'heure, celui qui m'a tué. Ouais. On va fermer la porte. C'était un ennemi qui était à côté de moi ou quoi? Il fait mal le FAMAS. Hein. Il fait très très mal le FAMAS. Hein. Par contre, je connais pas du tout la map quoi. Ok, ok. Bon, bah le dernier se cache. Il y a peut-être une chance qu'on gagne encore cette manche là. Ah, il s'est fait réanimer. Ah non, mais ils se sont fait réanimer en fait. D'accord. Donc là, ça serait bien. Ah, regarde. D'accord, oui, je vois. Ils se sont fait réanimer en fait. Ça serait cool qu'on réanime nos joueurs aussi, quoi. Oh non. J'avais pas calculé ça. C'est vrai que j'ai tué deux mecs. Ça se trouve, le gars il est arrivé pour les réanimer pour être sûr d'être en avantage numérique. J'ai absolument pas calculé, il y avait mon joueur à côté, mon ami que j'aurais pu réanimer. Et comme un connard, je l'ai pas fait quoi. Vraiment, c'est ma faute. J'ai fait une erreur. Et là, du coup, on était en avantage numérique et on se retrouve en désavantage. Lourd, bien joué. Allez, il en reste qu'un en face. Ah, bien joué! Wouh! Ouais, une petite manche au moins, ça fait plaisir! Waouh! Ah! J'ai touché un gars quand même! Là je suis en burst. Quand ça a dit single en fait c'est pour que tu puisses passer en single. Oh j'ai eu un shoot de merde. Oh là là j'ai eu un shoot de merde. Ah ouais, non, mais mon shoot était dégueulasse. C'est compliqué ce mode, c'est compliqué. Ah ah. Shit. Ok, 2-4. Ouah, c'est quoi ça? Genre ça me donne une arme. Attends, on va revive mon teammate. Comme ça on sera un joueur de plus. On va revive le teammate. Non, la bombe elle est mise. L'enfoiré, il campait là, bon mon allié l'a eu derrière. Regarde-moi ça, bon stratégiquement c'est normal qu'il fasse ça, mais... Man ! Aïe. Qu'est-ce qu'il fait ? What ?
Non, il a désactivé. J'ai pas compris. Lui non plus. Bon voilà, au moins on a fait une petite partie en, je crois, un style de recherche et destruction. Je voulais faire un gameplay au snipe, ça s'est converti à un gameplay plutôt avec le FAMAS, mais au moins ça nous a fait un petit gameplay sur le jeu et voir un petit peu comment ça se passe. C'est pas forcément le mode de jeu que j'aurais voulu proposer comme ça sur gameplay, mais bah, on n'a pas le choix. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à donner votre avis par rapport au jeu, le gameplay, la vidéo, bref, tout ce que tu veux sous la vidéo par commentaire, et si t'as kiffé, maximum de pouces bleus, de likes, c'est plaisir, c'est la récompense, ma part, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, qu'une bonne chose, et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye.